Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Vladimir Poutine ne pensait peut-être pas que les États-Unis déploieraient autant de moyens, voyant comment ils se sont retirés de l'Afghanistan. Rappelez-vous, c'était il y a 7 mois. Retour sur ce 15 août, jour où les talibans ont repris le contrôle de Kaboul en moins de 24 heures. L'ambassade de France en Afghanistan, David Martineau, raconte dans un livre les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul. Il sera dans un instant sur notre plateau. Patrick, votre édito ce soir. Sous pression, le gouvernement se dit prêt à discuter d'une évolution du statut de la Corse, disant qu'il est prêt à aller jusqu'à une autonomie de la Corse. Mais c'est quoi une autonomie et pourquoi faire? Mohamed, votre story du jour. Plusieurs personnalités du monde de la culture se sont rendues en Ukraine pour aider les réfugiés et alerter sur le travail exceptionnel des associations et ONG. Je vous montre les images ce soir. Pierre, l'Ukraine aussi dans votre œil ce soir. Oui, au hasard du calendrier, une exposition vient de s'ouvrir à Paris qui montre les images de 8 femmes reporters de guerre. Elles ont couvert énormément de conflits depuis la guerre civile espagnole jusqu'à la Syrie. On verra les images tout à l'heure. Autant de sujets que l'on soumet ce soir à l'ancien président de Reporters sans frontières, Robert Ménard, maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir, alors que cet après-midi, le président ukrainien s'est exprimé devant le Congrès américain. Oui, de la même manière, il s'était adressé aux parlementaires européens il y a quelques jours. Aujourd'hui, en visio, ce sont les élus américains qui l'ont acclamé. Remember September the 11th, an evil try to turn your cities, independent territories, in battlefields. I need to protect our sky. I need your decision, your help. Zelensky qui continue d'alerter et de demander plus d'aide militaire notamment. Biden vient de promettre l'envoi de drones et de faire payer à Poutine le prix fort. Ce matin, la Russie affirmait qu'un compromis est possible avec une Ukraine garantissant sa neutralité. Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут не просто по понятным причинам. Но, тем не менее, есть определенная надежда на достижение компромисса. Компромисс rejeté par le pouvoir ukrainien immédiatement dans le pays. La guerre continue. Ici, la capitale, Kiev, en couvre-feu jusqu'à demain. Ceux qui n'ont pas fui sont prêts à se battre. Nos fils sont en train de se battre. Alors moi aussi, je suis prête à prendre les armes. Alors quand on compare le conflit aux guerres du XXe siècle, ici, des tranchées creusées à Mykolaïv sur la ligne de front, on s'y prépare, on combat, on s'y installe. On a des enfants. Regardez notre nation. Nous sommes comme vous. Quand j'étais dans la vie civile, j'étais le maire de mon village. J'ai rassemblé tous les combattants volontaires de chez moi et je les ai amenés ici. Je vous ai parlé déjà du maire de Mélitopol, enlevé par les Russes, ce qui avait déclenché des manifestations. Eh bien, le maire a été remplacé par une ancienne opposante, beaucoup plus conciliante. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des informations vérifiées. Nous allons commencer à diffuser sur nos antennes la télévision russe, pour que maintenant, vous puissiez avoir accès à de vraies informations. Retour à Kiev, où 3 premiers ministres ont fait le déplacement hier. Les chefs de gouvernement polonais, tchèque et slovène ont rencontré le président Zelensky pour lui dire le soutien des Européens. You are fighting for your lives, for your families, for your country, for freedom. But we know you are fighting also for our lives and for our freedom. Alors la question a été posée à notre président Emmanuel Macron, qui n'exclut pas de se rendre à Kiev comme à Moscou. Je n'exclus absolument rien, mais aujourd'hui les conditions ne sont pas remplies qui permettraient de faire d'un tel déplacement quelque chose qui soit de nature à changer la donne. En France justement, la question des sanctions contre la Russie et la politique de nos entreprises. Le PDG de Total, dont une prise de parole a été perturbée à la Sorbonne, l'hymne ukrainien dans la sono et des pancartes brandies par les manifestants. Financer les bombes russes, c'est non. Nous refusons d'être complices. Total en Russie, honte en France. Le géant pétrolier continue ses activités en Russie. En Angleterre, on a déjà parlé de l'oligarque Roman Abramovich, déjà sur les listes de milliardaires sanctionnés. La BBC révèle qu'une part de sa fortune est tirée d'actions criminelles, aperçues successivement en Israël, ici à l'aéroport, prêt à embarquer pour la Turquie. L'agence Reuters nous apprenait finalement qu'il s'est envolé pour Moscou hier, alors que son club londonien Chelsea est en vente, autorisé à jouer, notamment ce soir contre Lille en Ligue des Champions. Chelsea est tenant du titre, jouer, mais avec des restrictions financières drastiques limitant les dépenses du club. Tu
we go by train. If not, we go by bus. If not, I try for seven-seater, honestly. I will do. I think there are a lot of harder moments or harder things in the world right now than if we have to take the bus or the plane to a away game. And I would pay it, it's no problem. Retour en Ukraine, où les réfugiés sont sur les routes. Ceux que vous voyez font partie des 20 000 personnes évacuées de Mariupol. Les Ukrainiens affirment que les convois sont pris pour cible par les Russes. Au nord-est du pays, tout près de la frontière russe, vous voyez là les réfugiés de Soumy. Sur place, la Croix-Rouge parle de catastrophe humanitaire. Des civils par centaines essaient de monter dans les autocars. Et nous, la Croix-Rouge, essayons d'escorter ce convoi à travers les lignes et de le ramener en sécurité. Washington et Moscou ont échangé pour la première fois depuis le début de la guerre aujourd'hui. Le président russe, dans une autre réalité, à la catastrophe humanitaire, Poutine répond « succès militaire ». Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. У нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для... La guerre et la veillée d'armes d'Odessa qui n'en finit pas. Odessa qui sait que les Russes vont attaquer et désormais le maire de la troisième ville du pays croit savoir quand. Selon nos informations qui restent à reconfirmer, ainsi que le mouvement des troupes russes, une attaque contre Odessa est prévue à partir du 18 mars. Le maire et les habitants qui anticipent un débarquement sur la plage, et c'est sur la plage, face à la mer, face aux bateaux russes que les Ukrainiens chantent leur hymne. Par ailleurs, il y a quelques minutes que l'armée russe a frappé un théâtre à Mariupol, théâtre abritant des centaines de civils, selon le maire de la ville. Robert Ménard, on vient d'entendre Volodymyr Zelensky plaider auprès des élus américains pour encore plus de sanctions à l'encontre de la Russie, demandant à toutes les entreprises de quitter le marché russe sur le champ. Toute l'Amérique doit se fermer aux produits russes, dit-il. Vous soutenez une candidate qui refuse des sanctions qui obligeraient les Français, je cite, à se faire harakiri. Autrement dit, elle ne veut que des sanctions minimales et indolores. C'est à la hauteur de la gravité de la situation. Non. Non. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit que face à la situation actuelle, qu'est-ce que c'était ces discussions sur telle sanction, pas telle autre. Aujourd'hui, si on essaye, si on dit... On dit que se joue là quelque chose qui est l'avenir de notre pays. Pardon, ça veut dire que l'avenir de notre pays, à travers l'Europe et à travers les menaces qui portent sur elle, je veux dire, c'est qu'on s'en donne les moyens. Si les moyens, c'est à un moment donné de se priver de telle ou telle chose, d'accepter qu'il y ait telle ou telle conséquence, ça me semble inévitable. Alors qu'ensuite, on rajoute que pour les gens qui ont autour de la table, je ne crois pas que ça concerne grand monde, des problèmes pour faire leur plein essence, on essaye de trouver des réponses, puisque c'est un des soucis, oui. Mais aujourd'hui, il faut prendre des mesures radicales parce qu'on a affaire radicales, à quelqu'un qui... Radicales, couper le robinet du gaz russe, empêcher les importations de blé. Écoutez, c'est vrai que quand on est français, c'est pas très compliqué de le dire parce qu'on peut se le permettre. Et allemand, c'est un peu plus compliqué. Mais l'Europe, elle est là. L'Europe, elle est dans des choix comme ça. Moi, j'ai trouvé que pour une fois, l'Europe avait répondu avec un peu de je sais pas comment dire, un peu de courage, un peu de détermination à une situation. En général, quand même, elle est plutôt d'une veulerie extraordinaire. Et là, j'ai le sentiment que ça avait changé. Il faut aller jusqu'au bout. Encore une fois, on ne peut pas dire que se joue quelque chose d'essentiel, y compris pour l'Europe, et pas en tirer un certain nombre de conséquences, même si malheureusement, il faut en payer un prix. Mais il faut m'expliquer dans quel pays on peut faire un certain nombre de choses sans qu'il y ait un prix à payer. Il faut se le décider. Alors, est-ce qu'il y a un prix à payer? Oui. Est-ce qu'on accepte de le faire? Il me semble qu'il faut dire oui. Vous saluez l'action menée par le président Macron depuis le début de cette crise. Vous dites même que vous êtes fier de ce qu'il fait. Vous pensez que Marine Le Pen aurait fait mieux, pourrait faire mieux si elle accède à la présidence? J'en sais rien sur ce terrain-là. Je constate d'abord... Vous ne savez pas si elle pourrait faire mieux, si elle serait à même de gérer une crise de cette ampleur-là, de cette gravité-là? Il faut le voir. Enfin, attendez-moi, je ne fais pas de la politique fiction. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a un chef de l'État qui fait le job. Je veux dire, on ne va pas lui reprocher d'aller discuter avec même le diable, en l'occurrence, si on pense que... Marine Le Pen, elle dit qu'il fait peur aux Français. Qui ? Emmanuel Macron, qu'il joue à faire peur aux Français. Non, mais ça, c'est les campagnes électorales. Bah oui, mais moi, attendez. On est dedans. Oui, mais attendez, mais moi, je ne suis pas un de ces acteurs-là. Je suis quelqu'un qui
apporte son soutien à Marine Le Pen pour un certain nombre de thèmes qui sont l'insécurité et l'immigration. Sur le reste, je ne critique pas le chef d'État. En plus, je trouve qu'il y a une espèce de tradition française qui fait que quand votre pays est en cause, en danger pour... Il y a une union nationale derrière le chef de l'État. En plus, qu'est-ce que je vais lui reprocher? Lui reprocher de discuter comme il le fait, de continuer à le faire. Il a raison de choisir un certain nombre de sanctions. Il a raison. Et d'accueillir les réfugiés, il a raison. Je ne vais pas, pour le plaisir, parce que je suis en désaccord avec lui sur d'autres plans, lui dire non, là vous vous trompez, en fait ça n'a absolument pas de sens. Il n'empêche, vous appelez à voter pour Marine Le Pen au premier tour, celle qui continue à refuser de qualifier Vladimir Poutine de dictateur et qui continue de faire la distinction entre les réfugiés ukrainiens qu'il faut accueillir et ceux qui fuyaient la Syrie ou l'Irak. Vous avez fait sur ce point-là votre mea culpa, mais pas la candidate que vous soutenez, elle a encore répété il y a trois jours. C'est terrible, je suis d'accord avec vous, c'est terrible. Moi, je ne suis pas militant du Rassemblement National. Attendez, j'essaye juste de vous expliquer. Je ne suis pas le fan club de Marine Le Pen. J'estime juste, à un moment donné, que je choisis un candidat en fonction d'un certain nombre de points. J'ai des désaccords, on peut en même en trouver d'autres avec Marine Le Pen, et je ne me cache pas de ça. En même temps, je dis que sur un certain nombre d'autres points qui me paraissent importants et même essentiels, je suis d'accord avec elle. Donc, je fais la part des choses. J'essaye de la convaincre avec un succès relatif. J'en conviens. Il faut qu'elle fasse son mea culpa. Mais pardon, encore une fois, moi, pendant 4 ans, je n'ai pas parlé à Marine Le Pen. Donc, je ne suis pas soupçonnable d'accéder à tout ce qu'elle dit. Il me semble qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de points, pas que sur ça, elle évolue pas assez. Oui, pas assez. Est-ce qu'elle évolue mieux suffisamment pour que vous puissiez lui apporter votre soutien? Aujourd'hui, oui. Et je continue à lui dire que sur l'Ukraine, elle se trompe, sur l'accueil des réfugiés. Attendez, on est loin de Zemmour quand même. Comparons les choses, d'Éric Zemmour. Je trouve qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Je suis content. Quand le chef de l'État dit un certain nombre de choses qui me semblent de bon sens, je le dis. Quand Marine Le Pen dit un certain nombre de choses qui sont de bon sens, je le dis. Mais ça veut dire que les positions de Marine Le Pen sur la sécurité et l'immigration l'emportent pour vous sur ses positions à l'international, vis-à-vis de Vladimir Poutine, etc. À aujourd'hui, oui, absolument. Parce que je pense que sur l'Ukraine, y compris, elle a bougé. Elle a bougé. Écoutez, au début, elle ne voulait pas entendre d'aucune, vous l'avez souligné, d'aucune sanction. Aujourd'hui, elle dit toutes les sanctions, sauf celles qui ont des répercussions sur la France. Je ne suis pas d'accord avec ça, je viens de vous le dire. Mais ça a changé. Sur les réfugiés, on ne peut pas dire... Enfin, attendez, à part d'être une mauvaise foi totale, qu'elle dit la même chose qu'Éric Zemmour, par exemple, ce qui explique que je la soutiens, et pas lui. Elle dit un certain nombre de choses. Je pense qu'elle se trompe quand elle dit, en gros, je caricature, pas elle, pas qu'elle, mais un certain nombre de gens, de mes amis, entre guillemets, disent, au fond, on va accepter les réfugiés ukrainiens parce qu'enfin, ils sont européens et chrétiens, puisqu'ils sont orthodoxes. Mais on va refuser ceux qui viendraient d'Afghanistan, parce que l'Afghanistan, c'est quand même beaucoup plus loin, et ils sont musulmans. Je trouve ce raisonnement inacceptable. Je le lui dis, je ne suis pas candidat. Encore une fois, je la soutiens parce que sur un certain nombre d'autres thèmes, en particulier l'immigration et la sécurité, je pense que M. Macron, dont je félicite l'action en Ukraine et sur d'autres terrains, je pense que c'est les deux points noirs, les deux trous noirs de son action pendant 5 ans. Et le maire que je suis sait ce que ça veut dire. Voilà. Je rebondis sur les aspects de la campagne électorale. Vous avez peut-être lu cette tribune publiée aujourd'hui et signée par un certain nombre de personnalités de la culture, comme les comédiennes Adèle Haenel et Ariane Ascaride, le réalisateur Stéphane Brisé ou l'écrivaine Annie Ernaux, qui regrette qu'il n'y ait pas plus de débat et qui lance le hashtag « pas de débat, pas de mandat ». C'est une imbécilité totale. Écoutez, il faudrait s'entendre, les journalistes, vous l'avez été tellement longtemps. On se plaint, par exemple, on ne parle jamais de l'international, vous savez, ça n'intéresse personne. Vous savez, or, je vous rappelle qu'on va voter pour quelqu'un dont la moitié de son temps, ça va être l'international, même s'il ne le dit pas aujourd'hui. Pour une fois, on parle de l'international comme on n'en a jamais parlé, malheureusement, mais on en parle. Et pourtant, Marine Le Pen reproche à Emmanuel Macron d'effacer la campagne avec l'Ukraine. D'endormir l'opinion. Attendez, mais j'entends la même... Elle parmi d'autres candidats. Pas qu'elle, j'entends un certain nombre de candidats de droite et de gauche nous expliquer qu'ils fuient le débat du premier tour. Mais il n'y a pas un président sortant qui a un deuxième... candidat à un deuxième mandat et jamais participé. Je veux bien qu'on dise n'importe quoi. Vous savez, c'est les périodes où tout le monde dit n'importe quoi sur le pouvoir d'achat, surtout. J'essaie juste de garder raison et de me dire que
au milieu de tout ça, essayons de voir comment on peut avancer. Et pardon, sur le fait de dire on va repousser les élections. Oui, j'ai bien vu des gens qui disaient qu'on va repousser les élections. Non, enfin, je veux bien qu'on dise n'importe quoi. Mais le danger, ce n'est pas l'abstention pour des gens comme ça qui ne sont pas d'accord. Mais c'est l'abstention, c'est la France qui est menacée par l'abstention. Oui, c'est ça. Oui, je veux dire qu'il y ait à ce point de discrédit de la classe politique, pardon, dans sa totalité, pour pousser tant de nos concitoyens à ne pas voter, on devrait s'interroger là-dessus. Le problème, c'est qu'on s'interroge à la veille ou le lendemain des élections, quand on constate le nombre d'abstentionnistes. Il faut peut-être, une fois, se poser une question, se dire, une fois qu'on aura constaté ça, qu'est-ce qu'on fait pour la changer? Et pardon, oui, on parlera moins de telle ou telle question. C'est vrai qu'on parle moins du Covid. En ce moment, c'est passé un petit peu après la guerre. Mais pardon, il me semble que la guerre, oui, c'est le sujet de conversation normal et essentiel et primordial, même dans une campagne électorale. Une élection présidentielle qui se joue donc en pleine crise ukrainienne, alors que la crise sanitaire est encore loin d'être réglée et que la Corse s'enflamme. Deux semaines de violence après l'agression d'Ivan Colonna en prison, le ministre de l'Intérieur est sur place pour deux jours. Et avant même son arrivée, Gérald Darmanin a annoncé qu'il engagerait une discussion sans précédent autour de la question institutionnelle, une procédure qui pourrait aller jusqu'à l'autonomie. Je commence une négociation, si j'ose dire, ou une discussion, l'esprit ouvert. Je regarde autonomie, ça peut être aussi une autonomie à l'intérieur même de la Constitution d'aujourd'hui. La Polynésie française a un statut d'autonomie qui lui permet évidemment d'être totalement dans la République et d'avoir une spécificité particulière, notamment celle qui gère tout ce qui relève économique et social. Une annonce qui fait ce soir l'objet de votre édito, Patrick. C'est la première fois qu'un gouvernement évoque l'autonomie de la Corse. Oui, c'est la première fois que le mot est prononcé, mais pas que la promesse est formulée. Il y a 20 ans, les accords Matignon, conclus par Lionel Jospin, devaient donner à l'Assemblée de Corse un pouvoir d'adaptation des lois. Le texte avait fait consensus en Corse, il avait été très largement adopté par les élus de tous bords, il avait été voté par le Parlement à Paris, mais censuré début 2002 par le Conseil constitutionnel. Le pouvoir de faire la loi ne peut pas être délégué, sauf à modifier la Constitution. C'est cela qui définit l'autonomie. Oui, il n'y a pas de définition précise dans notre droit de l'autonomie, mais l'autonomie d'une collectivité se mesure à sa capacité à produire ses propres règles, à voter ses lois, comme le font déjà d'autres îles méditerranéennes, la Sicile, les Baléares. La Corse n'y est pas encore, malgré quatre statuts particuliers octroyés depuis 1982, avec à chaque fois un peu plus de compétences et de responsabilités données aux élus corses. Mais la revendication de l'autonomie a été relancée par l'arrivée des nationalistes aux commandes de la collectivité de Corse en 2015, avec Gilles Simeoni. En juin dernier, lors des élections, les deux tiers des électeurs corses, 68%, ont voté nationaliste. Une autonomie, mais pour quoi faire? Alors, c'est là que ça devient sensible. Il y a une première mesure symbolique, c'est la reconnaissance d'un peuple corse. 30 ans qu'on en débat. Le statut de 91, celui de Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur socialiste, devait graver cette notion dans le marbre de sa loi. Censure du Conseil constitutionnel, faut donc tout reprendre. Autre revendication nationaliste, pour l'instant contraire à la Constitution, faire du Corse une langue officielle sur l'île, aux côtés du français, ce qu'on appelle la co-officialité de la langue corse, qui aurait bien sûr des conséquences très pratiques dans les actes administratifs et puis dans l'enseignement du corse, qui deviendrait forcément obligatoire. Sur la table également, un statut de résident. Ça, c'est une revendication qui a émergé il y a quelques années. Statut de résident qui réserverait à ceux qui sont nés en Corse ou qui résident depuis plus de 5 ans, de manière permanente, le droit d'acquérir des biens immobiliers. La Corse aux Corses pour lutter contre la flambée et la spéculation immobilière. Et puis il y a tout le reste qui promet de sacrés débats dès qu'on se penche sur les détails, le droit fiscal, le droit social, jusqu'à quel point les lois et règles pourraient-elles être différentes sur la Corse et le continent. Voyez l'ampleur du chantier. Sur le principe l'autonomie, pas de problème. Les Corses d'ailleurs adorent faire du droit. J'ai toujours été frappé par l'ampleur de la question institutionnelle dans le débat public en Corse. C'est vraiment très présent. Certains disent démesuré, mais dans le détail, l'égalité, la question de l'égalité des Français devant la loi, puisqu'il est question que les Corses restent dans la République française, la question de l'égalité devant la loi, ce n'est pas une petite question en France. Robert Ménard, vous êtes pour l'autonomie, mais pour faire quoi? Pour reprendre la question de Patrick. Non, mais attendez,
Je ne vais pas faire du droit comme les Corses, je vais m'en tenir. Non, je pense que oui, un certain nombre de questions se règlent mieux près des gens. J'étais peut-être un des seuls hommes politiques, je ne sais pas comment il faut dire, pour avoir applaudi la tentative d'indépendance de la Catalogne. J'avais même proposé au président catalan de venir se réfugier à Béziers, parce que je le connais depuis des années. J'y suis favorable. Et en même temps, alors, je vois que vous souriez, mais attendez, moi je vois tous les gaullistes, non, parce que vous souriez, tous les gaullistes, vous savez, crier comment, tout le monde est gaulliste aujourd'hui en France, donc à peu près toute la classe politique, comment la France. On va démanteler la France comme si la France n'était pas assez forte pour supporter ça. Les mêmes qui, je vous rappelle, le Québec libre applaudissait De Gaulle qui était allé foutre la pagaille au Canada. Mais là-bas, tout le monde trouvait que ça ne posait pas de problème. Ici, ça pose problème. Oui, je suis un Girondin, comme on dirait, complet, assumé, et je pense que plus nous aurons de pouvoir à la base, mieux ce sera. Et en plus, évidemment, il y a des spécificités, je pense qu'un Alsacien, un Breton et un Corse, ce sont des Français, mais avec aussi des différences. Moi, je suis méditerranéen, je pense que je ne ressemble pas complètement à quelqu'un qui est du nord de la Loire. Mais la question, c'est celle du degré de compétence. Quelle liberté on laisse aux élus et aussi quel contrôle de l'égalité. Vous êtes maire, vous avez le pouvoir de signer des permis de construire, mais je suis sûr qu'aucun citoyen de votre ville ne voudrait que le maire puisse faire n'importe quoi, construire des choses. Ça va être tout le débat. Oui. Ça va être tout le débat parce que ça veut dire. Moi, ce qui pour revenir à la loi littorale, enfin, vous voyez toutes ces questions. Je suis d'accord, mais reste que c'est un débat ouvert. Je trouve que c'est une question qu'on a le droit de se poser. Alors, on se la pose peut-être en mauvais moment parce que sous la pression, annoncer ça. Et avant même de commencer les négociations, je ne sais pas, moi, j'aurais commencé, si j'avais été M. Darmanin, ce que je ne suis pas, j'aurais commencé par aller voir M. Simeoni et peut-être après, et de lui dire, oui, je vous ai entendu, je vais avancer. C'est une drôle de façon de faire, en l'occurrence, de la politique. Mais encore une fois, sur le fond, je trouve que, une espèce de, dans ce pays, attends, on se plaint tous. Tous les élus se plaignent de droite et de gauche, une espèce de centralisation. Vous allez demander l'autonomie de Béziers ? Mais une baronnie, peut-être que ça pourrait. Les élus se plaignent, mais les Français sont attachés à l'idée de l'égalité devant la loi. Ah, mais attendez, oui, bien sûr. Bien, je suis d'accord avec vous, c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. Mais en même temps, quand je vois les citoyens, mes concitoyens à Béziers, le nombre de choses que je ne peux pas faire ou j'explique que la décision se prend à Paris, ça les exaspère, comme ça m'exaspère. À Paris, vraiment, il y a beaucoup de choses qui vous concernent directement, qui concernent l'aménagement de votre ville, qui se décident à Paris. Attendez. Et pas au niveau de la région ou du département. Vous plaisantez. Non, le PLU. Je prends un exemple. Vous en parliez tout à l'heure. Le plan local d'urbanisme, oui. Il se décide. Il se décide à Béziers, mais pour être accepté, il faut qu'il soit conforme. On ne va pas rentrer, ça s'appelle le SCOT. Ah ouais, des règles décidées par l'État. Et qui, in fine, pèse et m'oblige à faire un certain nombre de choses, c'est les représentants de l'État, c'est-à-dire de Paris. Ben voilà, on en revient aux histoires de permis de construire que je vous disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et de temps en temps, j'aimerais avoir une marge de liberté plus importante, permettez-moi de vous le dire, parce que je pense que vu de Béziers, je vois mieux le territoire de ma commune que vu de Paris. L'autonomie, c'est le mot qu'Emmanuel Macron et d'autres gouvernements avant lui, mais enfin le mot qu'Emmanuel Macron a refusé de prononcer pendant 5 ans. Vous dites qu'il a raison de changer d'avis sur ce sujet, comme sur d'autres, le nucléaire, par exemple. Vous êtes heureux qu'il ait évolué sur le nucléaire. Vous êtes sûr que vous allez voter Marine Le Pen au premier tour? J'en viens à en douter, Robert Ménard. Mais non, mais j'ai des fidélités. Je me suis engagé vis-à-vis de Marine Le Pen. Je voterai pour elle, je lui ai donné mon parrainage, je ne le regrette absolument pas, et je voterai pour elle. Je le lui dis, des fois, elle peut être exaspérée par mes prises de position. Je dis, Marine, je continue à dire que je vote pour toi parce que sur un certain nombre de points, tu dis un certain nombre de choses que tu es la seule à dire et qui sont, me semble-t-il, essentielles. Oui, je pense que M. Macron change. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je trouve, je ne vais pas vous le redire, c'est un trou noir. Mais en même temps, oui, sur le nucléaire, écoutez, je suis pied noir. Je suis donc en Algérie pour parler un certain nombre de choses. Les propos, vous vous rappelez ce qu'il avait tenu? Oui, sur le crime. Je l'ai vu, je le lui ai dit. Je le lui ai dit. J'ai dit vos propos sur le crime contre l'humanité que représenterait la colonisation.
C'est une absurdité, point. Et en même temps, il m'a invité, j'y suis allé à l'Élysée, il a dit sur l'Algérie, pour le pied noir que je suis, un certain nombre de choses au cœur de l'État, l'Élysée c'est le cœur de l'État, qui m'ont touché, même bouleversé. Ça n'empêchera pas, le 19 mars, je mettrai les drapeaux en berne, parce que je pense que c'est un jour de deuil pour la France et pas un jour à commémorer. Voilà ce que j'essaye de faire. Pour les accords déviants. Les accords déviants. Ouais. Vous avez compris ce que j'essaye de faire. C'est juste d'avoir preuve, de faire preuve un peu de bon sens. Quand mes amis, ou ceux, pas mes ennemis, il n'est pas mon ennemi, mes adversaires ont raison, je le reconnais volontiers. Quand ils ont tort, je le dis aux uns et aux autres. Il y a 7 mois, Émilie, pratiquement jour pour jour, les 15 et 16 août derniers, les talibans reprenaient le contrôle de Kaboul. Oui, il leur aura fallu moins de 24 heures pour faire tomber Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Le Monde le découvre à la télévision avec des images diffusées sur la chaîne Al Jazeera. On y voit des talibans installés dans le palais présidentiel. Just going to bring you these live and exclusive pictures here from inside the presidential palace. Taliban fighters placing their guns on the desks. وطول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتح مبارکي وایو خصوصا د کابل. Une victoire clamée haut et fort dans les médias, mais aussi dans les rues de Kaboul, où ils ont paradé armes à la main, rue désertée par les habitants, enfin surtout par les femmes. J'essaie de sauver ma vie. Je me cache, mais beaucoup de gens savent que je suis une activiste. Et peut-être qu'un jour, on va donner mon adresse et les talibans viendront me chercher. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ J'étais une fille indépendante, je pouvais aller au travail, jouer au foot. Et là, pour aller au supermarché, il faut que je sois accompagnée de mon frère ou de mon père. Là, j'ai dû mettre un long voile noir. On ne voyait pas mes yeux, j'avais peur. Beaucoup sont donc prêts à fuir le pays, même à risquer leur vie pour monter dans les avions déployés par les pays occidentaux pour évacuer leurs ressortissants, même à se séparer des êtres qui leur sont les plus chers. On se souvient tous de ce bébé donné à un soldat américain, seule chance pour ses parents de lui offrir un avenir. Souhaitant mettre fin à 20 ans de guerre et le retrait de ses troupes, Joe Biden a été réduit à négocier avec les talibans quelques jours de sécurité à l'aéroport de la capitale, le temps d'évacuer ses ressortissants. Il aura 15 jours, pas un de plus. Le 30 août, le dernier avion américain quitte Kaboul dans la nuit, sous les feux d'artifice et des tirs de victoire des talibans qui ne tardent pas à prendre le contrôle de l'aéroport et du pays. Bonsoir David Martineau. Bonsoir. Ambassadeur de France en Afghanistan, poste que vous exercez depuis Paris depuis 7 mois, après avoir passé 33 mois sur place jusqu'à l'été 2021. Dans ce livre, vous faites le récit à couper le souffle des 15 jours qui ont suivi la chute de Kaboul jusqu'au 27 août, lorsque vous êtes avec votre garde rapprochée les derniers Français à partir, après avoir veillé à l'évacuation de 2805 personnes. 1005 enfants, 851 femmes, 949 hommes. Une des opérations d'exfiltration en urgence les plus périlleuses que la France ait jamais organisée. C'est d'abord pour rendre hommage au travail de votre équipe que vous vouliez témoigner. Oui, vraiment, parce que on a fonctionné comme une équipe extrêmement soudée, mais aussi parce qu'on vivait et on travaillait ensemble depuis plusieurs années. Et que je trouve qu'ils ont fait un travail fantastique. Ils ont pratiqué non pas le dépassement, mais le surpassement de fonctions. Et puis surtout, autant les diplomates de l'équipe sont des personnes publiques, c'est leur métier, autant les gars du RAID, les soldats du CPA-10, du commando parachutiste de l'air numéro 10, les agents de la DGSE, eux doivent rester anonymes, et donc je voulais leur rendre hommage. Dès le mois de juin, l'ambassadeur de France a commencé à évacuer ses employés afghans, leurs familles, la chute de Kaboul. Vous vous y étiez préparé depuis longtemps. Vous saviez exactement comment ça allait se terminer après le départ du dernier soldat étranger. Il n'empêche, le 15 août, alors que vous êtes déjà à l'aéroport pour superviser les opérations, votre arrière-garde vous alerte sur la présence devant les grilles de l'ambassade de dizaines d'Afghans en demande de protection, affolés, paniqués. La bousculade est extrême. Vous preniez une décision qui n'était pas du tout prévue. Non, elle n'était pas prévue et c'était une prise de risque parce que créer un abcès de fixation à l'arrière, c'était créer un problème qu'on ne savait pas résoudre à ce moment-là et dont on pouvait penser qu'on mettrait du temps et avec des risques. Vous décidez d'ouvrir le portail de l'ambassade. Oui, parce que j'en ai parlé avec une philosophe. En fait, elle interprète ça comme une éthique de la sincérité. Et la question qu'on se pose dans ces moments-là, et la réponse vient tout de suite, c'est
est-ce que franchement je pourrais vivre avec l'idée, le souvenir que des gens, des bébés en particulier, auraient pu mourir contre le portail fermé de l'ambassade écrasé de France. La réponse, elle vient immédiatement. Il faut donc, à partir de ce moment, négocier avec les talibans pour évacuer l'ambassade. Un convoi par la route, 15 bus avec une couverture aérienne des Américains. Sauf qu'en route, le convoi est stoppé et braqué. À bord du bus, les passagers sont terrorisés. Nous filmons discrètement et nous masquons leur visage. Peu après la sortie de l'ambassade, le bus s'arrête. À quelques mètres, ils ont aperçu les talibans. Les talibans finissent par faire des tirs de sommation. Ce que vous avez craint cette nuit-là, c'est une prise d'otage de grande ampleur. Ça et d'autres choses, parce que ce qu'on voit dans le reportage, c'est que les talibans, en effet, ont tiré. Parce que les Afghans essayaient de monter dans les bus, parce qu'ils voulaient fuir. Et le fait est que ça s'est passé en fin de cortège. Et les opérateurs du raid et les policiers étaient en début de cortège. Les policiers n'ont pas entendu les détonations. Mais s'ils l'avaient entendu, ça aurait pu provoquer une réaction en chaîne et très très mal se terminer. Et effectivement, on a craint une opération de masse, on a craint beaucoup de choses à ce moment-là. En 10 jours, vous avez organisé votre propre pont aérien, 28 vols exactement en 10 jours, dans le chaos et avec la menace terroriste toujours plus précise à mesure que les jours passent, jusqu'à l'attentat suicide du 26 août à Abbey Gate, l'une des 3 entrées de l'aéroport, là où la veille, certains de vos hommes opéraient leur dernière exfiltration. Vous avez à de très nombreuses reprises frôlé la catastrophe. Là aussi, c'est un moment décisif parce que la menace terroriste, on la voit monter. On a des informations qui ne sont pas précises, de plus en plus précises. La menace est de plus en plus caractérisée jusqu'au moment où on comprend que le projet est en phase d'exécution. Et donc là encore, c'est un moment où on se dit, bon, il y a encore des gens à sortir de façon individuelle. Est-ce que ça vaut la peine que j'expose l'équipe ? Parce que c'est effectivement, ça s'est passé, vous avez montré les goûts. Ça s'est passé exactement, le suicide bomber s'est fait détonner exactement à l'endroit où l'équipe française venait chercher les gens, les avants qu'on voulait mettre en sécurité. Et 2 heures avant, j'ai un de mes collaborateurs qui m'a dit « Mais il y a des gens qui passent, est-ce qu'on ne peut pas aller les chercher ?» J'ai dit « Non, non. » Et on a eu de la chance. À tel point qu'à votre retour, le directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères vous a dit que vous étiez tous des miraculés. Oui, il y a eu cette formule, effectivement. Près de 3000 personnes ont donc été ainsi évacuées in extremis. Et pourtant, dans le vol qui vous ramène tous, diplomates, policiers, militaires, vous percevez ce que chacun ressent. On aurait aimé évacuer d'autres Afghans encore. C'est vrai, parce qu'on avait encore des gens. Au moment de l'attentat, quand je dis à l'équipe que le lendemain, ils ne doivent pas y retourner, qu'on se met en sécurité, qu'on fait autre chose, on avait des demandes toujours. On avait beaucoup de gens qu'on avait identifiés. On a dû les appeler pour leur dire « ne venez pas, c'est dangereux ». Et au même moment, au moment de l'attentat, on était en train de faire entrer 300 personnes par des bus. Et, sauf que la détonation a eu lieu à peu près 200 mètres de l'endroit où l'opération se faisait. Les talibans étaient en train de faire descendre des passagers, de les contrôler. Et le blast a immédiatement provoqué une réaction des talibans. Ils sont immédiatement mis en posture défensive. Ils ont repoussé tout le monde. Et à ce moment-là, on a su que c'était terminé. Vous racontez aussi, après votre arrivée à Villers-la-Coublay, vous retrouvez votre épouse, vous ne saurez qu'un peu plus tard qu'elle ne dormait plus depuis 15 jours. Oui. Vous le racontez dans le livre, c'est assez joli. J'ai un dû à son égard et à l'égard de mes enfants. Et puis vous racontez ces derniers jours et ces derniers mois. Le poste d'ambassadeur, c'est pas un roman de Green à ce moment-là, c'est vraiment un entraînement particulier. Vous avez toujours un gilet pare-balles à portée de la main. Oui, parce que les menaces, elles sont constantes. Enfin, à ce moment-là, en 2020-2021, 50% des victimes du terrorisme dans le monde sont afghanes. Et nous sommes des cibles. Et les menaces, elles sont très diverses. C'est les mines magnétiques sur les voitures, ce sont les bombardements, les tirs de roquettes, donc il faut se préparer. Mais les mines magnétiques, par exemple, on vous apprend à sortir d'une voiture blindée en 5 secondes. Oui, parce que c'est votre seule chance. Les mines magnétiques, même sur des blindés, ça ne laisse aucune chance.
si vous ne sortez pas tout de suite, il y a l'effet de surcompression. Et on peut sortir en 5 secondes avec des entraînements. Il faut être en état d'hypervigilance. Il faut reconnaître les bruits. Blindé, hein. C'est très lourd. C'est très très lourd. Surtout quand vous avez le gilet lourd, que vous avez éventuellement le casque. C'est pour ça que les policiers s'entraînent autant, parce qu'ils sont lourds. Et puis toujours sortir dans des véhicules sales pour ne pas être repérés. Oui, c'est pas des véhicules du protocole. C'est vraiment... faut pas que ce soit la même couleur, il faut pas qu'on soit en cortège. On doit avoir souvent peur. Discret. Non, parce que quand on est à Kaboul, et surtout depuis un certain temps, on se prépare beaucoup, et en réalité, on est en mode activé. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire. On a du boulot d'abord, on a des missions à remplir, et on sait à peu près quelle procédure il faut appliquer s'il y a des tirs de roquettes en pleine nuit, etc. Donc en fait, la préparation limite l'anxiété. D'ailleurs, si ça n'avait tenu qu'à vous, vous seriez resté dans cette ambassade un peu plus longtemps. C'est parce que votre sécurité monopolise trop de monde que vous finissez par dire « allez, on part ». Oui, à un moment, il faut faire des choix. Et à ce moment-là, on était en nombre réduit. Il a fallu gérer un certain nombre d'imprévus. Et effectivement, l'escorte du raid, sa mission, c'était de me protéger, moi. Mais si elle devait me protéger, ça veut dire que ça faisait... J'ai pas le droit de dire le nombre. Enfin, si, je le dis d'ailleurs. Donc, ça fait 7 opérateurs qui ne pouvaient s'occuper que de moi. Ouais. Et qui ne pouvaient pas faire autre chose, et notamment faire des norias pour évacuer les Français. Cette ambassade de Kaboul, vous la vouliez, vous avez postulé. Mais quand on regarde le bilan entre 2001 et 2021, la France a perdu 90 hommes en Afghanistan, 700 ont été blessés. L'intervention de l'OTAN était destinée à éliminer la menace terroriste. Mais finalement, avec le recul, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est un immense gâchis ? C'est une question vraiment très très compliquée et qu'il faut aborder avec humilité. D'abord, c'était une guerre juste. Moi, j'ai toujours considéré que la guerre déclenchée par les Américains était une guerre juste. Ils avaient été frappés sur leur sol. Il fallait qu'ils éliminent la menace terroriste qui était Al-Qaïda. Et pour ça, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de venir en Afghanistan. La partie contre-terroriste était légitime. La partie contre-insurrectionnelle aussi. Le problème, c'est que nous avons voulu... C'était pas un problème, c'était aussi un beau projet de bâtir une démocratie, de développer le pays. Sauf que... J'ai pas encore fait ma conviction sur le sujet. Je veux croire que c'était pas complètement utopique. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de fait, peut-être que les erreurs étaient trop importantes et qu'elles ont empêché ce projet d'aboutir. C'est pas si clair. Et vous pensez pouvoir retourner un jour à Kaboul, surtout quand on voit comme le pays a changé et vite, quand on sait que les petites filles de plus de 12 ans ne peuvent plus retourner à l'école aujourd'hui ? Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. La communauté internationale, le Conseil de sécurité a fixé un certain nombre de conditions dès la fin août. Nous considérons pour le moment que les autorités de fait, les autorités talibanes à Kaboul ne les remplissent pas. Et donc, on est en diplomatie. Donc, chaque geste doit être pesé, sous-pesé, chaque geste va être interprété, et donc il ne faut pas se tromper. Et de toute façon, on n'est pas pressé. Il n'y a pas d'urgence à revenir. Vous êtes resté jusqu'au dernier moment en Afghanistan. Bernard-Henri Lévy vous a comparé à un capitaine ayant été le dernier à quitter son navire avant le naufrage. En Ukraine, l'ambassadeur de France, Étienne de Poncet, a transféré l'ambassade de Kiev à Lviv, mais tient son poste jusqu'à quand ? À quel moment l'ambassade de France devra-t-elle partir ? Moi, je ne peux parler que de ce que je connais. La situation est tellement compliquée. Je ne vais pas me substituer à mes autorités. C'est une décision qui appartient au président de la République sur les recommandations du terrain, du niveau tactique, donc d'Étienne de Poncet. Moi, à Kaboul, j'étais obsédé par la sécurité de l'équipe, par ce qu'on avait encore le temps de faire, parce qu'on savait qu'on avait un temps très contraint. Et donc, les paramètres, c'est ça. Par ailleurs, mon expérience à Kaboul, c'est que ce qui est difficile, c'est d'atténuer l'angoisse des proches en France. Donc je ne veux pas en rajouter, parce que j'imagine bien que la famille d'Étienne, de ses collaborateurs, ils passent des moments difficiles, donc je ne vais pas rajouter dans l'angoisse. Est-ce qu'il y a un lien qu'on puisse établir entre ce qui s'est passé, le désengagement américain en Afghanistan et la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine ? C'est vraiment, il ne faut pas l'écarter, parce que la décision du président Trump, confirmée par le président Biden, de retirer les troupes, c'est forcément, ça a dû être interprété par le leadership politico-militaire à Moscou comme
une posture, à l'évidence, différente. L'impression, et encore une fois, je parle d'une interprétation, hein, d'une lecture russe, d'une perception, la perception que les Américains se centraient sur leurs intérêts les plus immédiats. Et que, à l'évidence, l'objectif de préserver la République islamique d'Afghanistan et la démocratie pour laquelle ils ont consenti tellement de sacrifices, tellement d'efforts. On est entre 4 et 9 plans Marshall pour l'Afghanistan sur 20 ans. Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, il a été considéré à Washington que la préservation de la République n'était plus un objectif prioritaire. Que l'objectif prioritaire, et on l'a senti dans les négociations, c'était de sortir les troupes. Et donc forcément, ça plus le pivot chinois, c'est-à-dire la réorientation des priorités américaines vers la Chine, peut-être que ça a donné lieu à une perception par les Russes d'un espace. Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, le témoignage exclusif de l'ambassadeur de France en Afghanistan, c'est passionnant, c'est aux éditions de l'Observatoire, je vous l'offre, Robert Ménard. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, dans votre story ce soir, la mobilisation des personnalités du monde de la culture en Ukraine. Oui, 21 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs personnalités du monde de la culture se sont mobilisées pour le peuple ukrainien. On a vu notamment les publications sur les réseaux sociaux de Madonna ou de Arnold Schwarzenegger. L'acteur Ryan Reynolds a par exemple fait un don de $1 million. Leonardo DiCaprio a quant à lui versé $10 millions aux ONG. D'autres ont fait le choix de se rendre directement en Ukraine. C'est le cas de l'acteur américain Sean Penn, présent à Kiev lorsque les chars russes sont entrés dans le pays. Il tournait justement un documentaire sur la possibilité d'une invasion par la Russie. As Russia invades Ukraine, Sean Penn has a literal front row seat to history. The Oscar winner on the ground in Kyiv, filming a documentary about the invasion. The actor visited back in November and met with Ukrainian military. I don't know if he knew that he was born for this. But it was clear I was in the presence of something, and again, I think reflected of so many Ukrainians, that was new to the modern world in terms of courage and dignity. Les Américains ne sont pas les seuls à s'être mobilisés. L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz s'est rendu à la frontière ukraino-polonaise en début de semaine. Il est venu apporter son aide à des civils français qui accueillent des réfugiés en Pologne et parfois organisent leur arrivée en France. Il s'est aussi rendu dans l'ouest du pays, à Lviv, en Ukraine, une zone encore épargnée par les bombardements russes. L'idée de rester en Ukraine a même traversé l'esprit du réalisateur de La Haine. Honnêtement, si j'avais pas eu d'enfant, je serais venu. Pourquoi faire ? Pour être à leur côté. Parce que dans le monde dans lequel on vit, je pense que ce qui est en train de se passer là est une limite absolue. Et que si on ne se bat pas pour empêcher ce qui se passe, on va tous en être victimes. Quand vous dites pour être à leur côté, c'est de l'aide humanitaire, mais on voit certains Français qui viennent ici et d'étrangers pour se battre. Hein, c'est... Si j'avais pas d'enfant, je serais là. Toutes les associations appellent aux dons pour la gestion des réfugiés. La venue de plusieurs célébrités sur le terrain permet d'augmenter les dons et de rapporter un témoignage direct du travail de ces ONG. Le producteur et présentateur Arthur a pour sa part accompagné l'association Sauveteurs sans frontières à la frontière ukrainienne pour sensibiliser le public à cette crise humanitaire. Il a partagé son quotidien auprès des réfugiés dans un journal de bord tenu sur Instagram. J'ai décidé il y a quelques jours d'affréter un avion et de le remplir à la fois de vivres, mais surtout de médicaments, de brancards, de sérums, de fauteuils roulants, enfin d'énormément de matériel que nous allons livrer à une association que j'ai la chance d'accompagner qui s'appelle Sauveteurs sans frontières. Et vous, votre spécialité, c'est les bébés, c'est ça ? Ouais, on leur file tout ce qu'il faut pour les mamans parce qu'elles arrivent ici, elles sont complètement démunies. Voilà une partie de l'équipe de Sauveteurs sans frontières avec Arié, le boss. Il fait moins 10 degrés. Il n'y a jamais eu autant de monde qui a traversé cette frontière parce que nous sommes à quoi, 25-30 km des bombardements.
On le rappelle, la plupart de ces messages postés sur les réseaux sociaux, que ce soit de Mathieu Kassovitz ou de Arthur, mettent en lien les fonds des associations pour faire des dons. Robert Ménard, on vient d'évoquer la mobilisation des personnalités. Les journalistes aussi réalisent un travail exceptionnel en Ukraine. On parle de 2000 journalistes accrédités, 3 journalistes tués depuis le début du conflit, dont un franco-irlandais, Pierre Zakreski. Jean-Yves Le Drian a rappelé ce mercredi l'obligation des forces armées à protéger les journalistes. Comment réagit l'ancien président et cofondateur de Reporters sans frontières que vous êtes ? Comme vous, directeur général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les premières victimes, enfin c'est la palissade, la première victime des guerres, c'est quoi ? C'est la vérité. Et l'absence de présence de journalistes sur place, c'est la garantie que les gens, les protagonistes, en l'occurrence les Russes, peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous disiez, il y a 3 journalistes qui ont été tués, mais c'est l'Ukraine, elle a payé un lourd prix. Écoutez, je me rappelle, ça devait être en 2006 ou 2007, j'étais le patron de Reporters Frontières et j'étais en Ukraine parce que à ce moment-là, il y a un journaliste, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui s'appelle M. Gongadze, vous ne vous rappelez pas, il avait été assassiné, on avait retrouvé son corps 6 mois plus tard, et être présent, que les journalistes occidentaux soient aux côtés des journalistes ukrainiens était essentiel. Parce que sinon, encore une fois, c'est la seule barrière à la barbarie. Si on ne sait pas, c'est que le pire se passe là-bas. Voilà, et donc maintenant, il faut y aller, mais il faut y aller en sachant, les journalistes font leur boulot quand ils y vont, les journalistes occidentaux, mais il faut aussi aider les journalistes sur place. Et pas seulement en Ukraine. Moi, je pense à mes copains de l'Écho de Moscou, à Moscou, qui est la radio principale opposante, de Novaya Gazeta à Moscou. D'abord, ils ne peuvent plus travailler. Il faut penser au prix qu'ils payent eux aussi à Moscou. Et c'est essentiel que le peuple russe sache qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils ne vont pas apprendre par la télévision officielle. C'est un combat essentiel. Et on peut faire le même constat à Kaboul, en Afghanistan, David Martineau. Oui, la presse afghane était la plus libre et la plus courageuse de toute cette grande région centra-asiatique. Et 80% des journalistes ne sont plus journalistes, soit qu'ils aient fui le pays, soit qu'ils aient compris qu'il fallait qu'ils fassent autre chose. La pression est très forte sur eux, on le sait, il y a beaucoup d'intimidation, il y a des mauvais traitements. C'est une des grandes difficultés de l'Afghanistan d'aujourd'hui. Et vous me posiez tout à l'heure la question de savoir à quoi avait servi l'intervention américaine et alliée. Évidemment, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur l'échec finalement qui a conduit au retrait, mais il y a eu 10 ans, 15 ans de liberté pour les femmes, pour les artistes, pour la presse. Ouais. Il y a eu cet appel d'air et cette bouffée d'oxygène qui fait que des millions d'Afghans ont pu avoir des profiter rêves. De ce moment. Hein et avoir des rêves, et les ouais. jeunes ouais. filles avoir des rêves. Et effectivement, la presse, la société civile... on constituait des progrès fantastiques. Et puis on ne sait pas demain ce qui se passera. Moi, je me rappelle être allé à Kaboul pour aider un certain nombre de journalistes afghans dans la formation et tout. Ça existe, ils sont là, ils existent. On verra demain ce que ça pourra faire. Vous restez avec nous. Un bonus du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Le bonus, ce sont ces athlètes français des JO paralympiques oui. qui rentrent de Pékin. Oui, la France a terminé la compétition à la 4e place au tableau des médailles, 12 médailles au total, dont 7 en or. Les Français emmenés notamment par le skieur Arthur Bauchet. Arthur Bauchet qui termine dossard numéro 2 à l'arrivée. Le meilleur temps yes. assurément. Là, la 4,63 yes. d'avance. Arthur Bauchet peut-être. Allez, allez, allez. Le petit ouais. prince, le roi ouais. qui s'impose. Yes. Après la descente. Et bien voilà. Ouh, ouh, ouh. Le roi Arthur. Ne pas craquer, ne pas fauter. Et à l'arrivée, Arthur oui, Bauchet oui. rentre dans l'histoire. Yes. 3e titre paralympique du vert. Bonsoir Arthur Bauchet. Bonsoir. Et bravo Bonsoir. Pour ces 4 médailles, Merci. Dont 3 en or. Tout le monde voulait voler pour les sous-peser parce qu'elles elles valent de l'or pour le coup. Vous arrivez à réaliser là que vous êtes entré dans l'histoire du ski français ? Difficilement. Franchement, moi je suis encore... là en plus on a atterri hier, donc là c'est un peu la course et je ne réalise pas encore. Je pense que
quand je vais rentrer chez moi, je vais un peu réaliser ce que j'ai fait. Mais ma famille m'a prévenu, ils m'ont dit, tu vas voir, c'est le feu là-bas. Ouais, c'est ça. Vous êtes atteint d'une paraparésie spastique, je pars sous votre contrôle pour la prononciation. C'est une maladie génétique qui provoque des tremblements. Et en fait, vous aviez à cœur de montrer voilà, qu'on peut skier à haut niveau malgré ce handicap. Exactement, ouais, bah, c'est vrai que de toute façon, le sport de haut niveau avec un handicap, c'est un combat contre soi-même déjà, contre la maladie. Et c'est vrai que j'avais à cœur de montrer que... Bah, le handicap, la maladie, c'était pas une fin en soi. Oui, voilà, les images, elles sont assez impressionnantes. C'est une crise. C'est ça, exactement. C'est une crise. En fait, il y a tous mes muscles qui se contractent dans les jambes et je contrôle plus grand chose. Et ça vous arrive souvent? Ça m'arrive de plus en plus. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, bah, là, je m'étais vraiment poussé à bout sur le coup. C'était juste après une course. Oui, c'était la deuxième manche du géant, bah, la médaille de bronze. Vous tremblez d'ailleurs. Là, je tremble encore. En fait, dès que j'ai les jambes à 90, ah, absolument, c'est pour ça. Mais d'ailleurs, c'est impressionnant parce qu'on en parlait juste hors antenne. Ça peut même vous arriver sur la piste. Et là, vous descendez, vous continuez, mais en fait, vous tremblez, vous subissez un peu. En fait, ouais, ça tape. Moi, j'ai moins de sensations déjà dans les jambes. Donc, du coup, je sens plus à 100%. Et derrière, ouais, bah, des fois, c'est un peu compliqué. On sent pas. Des fois, les coachs me disent alors, qu'est-ce que tu as ressenti ? Bah, rien. Ah d'accord, ok, merci. Il y a une actu qui est quand même pas la plus amusante en ce moment et beaucoup qui ont suivi les Paralympiques retiennent votre sourire. Et j'ai retrouvé dans une interview où vous disiez « Mon sourire, il est plus fort que mes jambes, lui, il ne me quitte jamais ». Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je sais que mes jambes peuvent me quitter à n'importe quel moment ou en tout cas me faire faux bond, me faire de bonnes douleurs. Mais le sourire, ça fait tout passer, c'est un bon médicament. Vous étiez porte-drapeau pour la cérémonie de clôture de ces Jeux Paralympiques. Et là aussi, vous l'avez dit, avec le sourire, porte-drapeau, c'est pas évident avec une béquille non plus. Mais enfin, vous en sortez très très bien. C'est vrai, alors là, franchement, c'était en plus devant moi. Alors je sais plus quel pays c'était, mais il se débrouillait super bien. Je crois que c'était sa deuxième cérémonie. Donc il a essayé de me donner des petits conseils dans la voie de garage juste avant. Et j'étais là, alors j'essayais de m'entraîner, mais il n'y avait pas la place. Et je suis rentré, premier mouvement que j'essaye de faire, j'enroule le drapeau. Je me dis, oh là là, ça va être long. Ça va être long. Et puis finalement, non, ça c'est tout s'est goupillé après. Faut faire des 8, c'est ça. Oui, c'est ça, faut faire des 8. Mais pas trop vite, pas trop lent. Mais c'est lourd. Arthur Bauchet, magnifique porte-drapeau pour cette cérémonie de clôture. Magnifique champion français, 21 ans seulement, quadruple médaillé olympique. Bravo, bravo. Merci beaucoup bravo d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur David Martineau. Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, c'est à lire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci Robert Ménard d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Karine Viard est notre invitée et l'homme pour lequel rien n'est sorcier, il s'appelle Jamy. Il nous expliquera tout, il a réponse à tout, c'est simple. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous. Merci beaucoup. Merci.